Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'HP Hour. C'est déjà la 71e émission, ça ne nous rajeunit pas, surtout Virginie. Nous sommes le 6 juin et aujourd'hui c'est la journée mondiale de la mini-jupe, donc nous avons fait un effort. Voilà, j'espère que vous admirez l'effort. Alors aujourd'hui, quelles sont les chroniques prévues pour cette émission? On commence par toi Virginie, de quoi on parle? Alors aujourd'hui on va voir comment choisir les bonnes lunettes de soleil par rapport à la forme de son visage. D'accord, l'été arrive, c'est important, il faut y penser maintenant. Avec toi Hello, donc on rappelle ta rubrique DIY, c'est-à-dire... Do it yourself. Fais-le toi-même, espèce de feignasse. Et donc tu vas nous proposer quoi? Une petite pochette fourre-tout. D'accord, très bien, on découvre ça dans quelques instants. Et nous avons une invitée, un visage que vous ne connaissez pas encore. Il s'agit de Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie qui est tapissier décorateur ou tapissière décoratrice, parce que il fait bon de féminiser aussi les termes. Vous nous direz dans quelques instants de quoi il s'agit. Et puis on terminera cette émission, vous le savez, avec la recette de Véro. Véro qui nous a préparé une recette dont je vous tairai le titre, car je n'assume pas du tout. On découvrira ça en fin d'émission. Voilà, maintenant que vous connaissez le programme, on va pouvoir y aller. On commence en quelques instants avec Hello et sa rubrique DIY, mais ce sera juste après ce jingle. C'est parti. On a toujours besoin d'une petite pochette fourre-tout parce que moi je sais que dans mon sac j'ai un peu tout et n'importe quoi. Comme dans tout le sac des filles, hein. Les sacs des filles. Un stéréotype comme ça. Non, mais c'est vrai. J'accepte pas du tout. Donc pochette. Donc une petite pochette pour tout mettre dedans, hein, pour éviter d'avoir le bazar dans notre sac. Pour faire cela, en fait je vais réutiliser un ancien tissu que j'avais quand j'étais très très jeune. L'année dernière. Qui a un simili cuir donc violet, donc comme ça. Vous pouvez le prendre plus grand si vous voulez faire une pochette plus grande. Parce que là, ça fait une pochette de quelle taille à peu près? Voilà, la taille de ma pochette, ça va être ce taille. Ah oui, c'est porte-monnaie quoi. Oui, c'est un petit. C'est petit tout. Il y a plein de choses qui se mettent dedans. D'accord, d'accord. On n'imagine pas, mais en fait. Non, mais on ne veut pas. C'est un peu comme le sac de Mary Poppins. D'accord, ok. Tu peux tout mettre, toute ta maison là-dedans. Alors c'est parti. Mais après, si vous voulez donc en faire une plus grande, il suffit de prendre un tissu plus grand et un patron plus grand. Donc pour commencer, c'est simple, il faut dessiner un patron donc sur une feuille blanche. Je vous mettrai le lien de... Enfin, je vous enverrai sur la page Facebook. La fiche technique. La fiche technique avec le patron de cette taille-là et voir une taille plus grande. Vous dessinez, au final, ça rend... Donc c'est une forme de... Qu'est-ce que c'est que cette forme? De losange un peu. Ouais. En gros, sauf que il y a donc les côtés du haut là sont de la même taille et de ce côté il y en a un plus grand pour rabattre pour faire la petite forme le petit rabat en fait. Donc vous le découpez et puisque l'intérieur de mon tissu est noir, donc je vais dessiner le patron avec une craie blanche. Si votre intérieur est blanc. Avec un crayon à papier, un feutre, je ne sais pas, du rouge à lèvres, ce que vous voulez. Un truc qui tranche quoi, qu'on le voit. Oui, voilà, il faut juste pouvoir le voir pour le découper. Ok. Donc, le tour est simple. Il vous faut du tissu, une craie, un ciseau, hein, et ensuite soit un bouton qui se clipse, ou alors une aiguille. On peut mettre du scratch aussi. Oui. Ok. Après, une pression. C'est comme on veut. Moi, voilà, je vais mettre une pression. Une idée, un bouton, une pression, tout ce qu'on veut. Donc pour la pression, moi il me faut un fil et une aiguille pour l'accrocher. C'est très simple. Donc on dessine le patron sur le petit tissu. Ça rend quelque chose comme ça. Donc si vous voyez ça, vous savez pas trop où plier. Donc il faut faire des... Pardon. Est-ce que je t'ai posé? J'essayais de t'aider, mais bon, la prochaine fois je m'abstiendrai. Vous remettez donc le patron sur le tissu. Et vous faites des petits traits pour définir... Là où il faudra plier. Donc on découpe. Alors méfie-toi parce que tu sais que tu n'es pas très. C'est à chaque fois c'est le passage un peu délicat. Ouais, c'est le et problème. Oui, mais parce que ça, quand on a sauté la section de maternelle, la grande section, après c'est plus. Quand le tissu donc est découpé, vous avez votre petite forme. Le but est de replier les formes. Ça paraît logique. Comme une enveloppe en fait. Comme une enveloppe. À la fin, oui, ça fait une petite enveloppe. Ah ouais. Comme ça. Cette forme là. Le but, donc après tout dépend comment vous voulez la refermer. Si vous voulez faire avec un scratch, il faudra donc coudre les trois parties du bas et après coller le scratch. Tout dépend comment on veut. Ouais. Donc moi vu que je veux mettre un petit, une petite pression, il va falloir que je referme les petits bords en laissant le plus grand triangle en haut et que je couse la pression. Et ensuite l'autre pression là pour
ouvrir, fermer. Mais écoute, on te laisse avancer dans le projet et on te récupère dans quelques instants. Le temps de la chronique de notre amie Virginie, avec qui nous avons parlé lunettes, lunettes de soleil, été. Soleil. Lunettes de star. Voilà. Et ce sera juste après son jingle, c'est-à-dire maintenant, tout de suite, c'est parti. Et voilà, comme on l'a dit, on est aux portes de l'été. Voilà, le mois de juin est là, dans quelques... Ben voilà, dans 15 jours, ça y est, c'est l'été. Donc, il faut bien choisir ses lunettes. D'ailleurs, je vois que c'est la thématique un petit peu du jour. Mais là, on va parler lunettes de soleil et c'est Virginie qui va tout nous dire là-dessus. Alors, si vous voulez éviter de brûler la rétine des admirateurs que vous aurez sur les bords de plage ou les terrasses de café, une seule chose à faire, c'est suivre les prochains conseils. Alors, on y va. Si vous avez un visage plutôt rond, on évite les formes qui sont rondes aussi. Et plutôt jouer sur les formes, on va dire, angulaires ou arrondies, ouais. Mais avec des traits affinés sur pour casser, coins, en fait. Voilà, pour casser l'arrondi du visage. Donc, comme vous voyez sur la photo actuellement, on voit que de suite, ça fait... Ça, voilà, ça va bien, tout va bien ensemble. Si vous avez votre front large et les sourcils plutôt allongés et le bas du visage qui descend en pointe, c'est ce qu'on appelle voilà, le visage triangulaire. Donc là, on va plutôt mettre en avant donc, le côté haut du visage. Donc pour ça, on va prendre des lunettes légèrement arrondi, au contour fin pour contrebalancer un peu le bas et mais pour le coup, et pour casser les angles en fait. Voilà. Et puis jouer donc sur les formes du visage et accentuer plus le haut pour cacher un peu le bas du visage en pointe. Ensuite, si vous avez alors là le front large et une mâchoire large en bas. Donc ça c'est moi. Oui. Ça marche pour les hommes et pour les femmes, tes conseils ou... Oui, après, ben, en fonction des formes. Après, il y a les lunettes mixtes aussi, hein, avec les modèles mixtes qui vont... Mais parce qu'à part les couleurs, il y a des formes de lunettes féminines et masculines. C'est que les couleurs, en fait, qui dissocient... Non, après, il y a les formes aussi. Je sais pas, formes, je pose une question à dilettante. Les formes papillons, là, tout ce qui est rétro et tout ça, c'est plus... D'accord, très bien. Autant pour moi, c'était une question débile. On va le voir tout à l'heure en photo. Oui, exact. C'est pas une question débile. Donc là, c'est ce qu'on appelle le visage carré. Alors, deux choix s'offrent à vous. Ou les lunettes de type géométrique, avec des formes très, très ciblées. Ou, comme sur la photo, les modèles oversize. Ah oui. Donc, c'est les lunettes très volumineuses et qui donnent, par contre, un style super sympa. Mais c'est vrai et qui rappelle un peu les années 60. Ouais. Tu vois. Voilà, tout à fait. Donc, sur la photo, on voit que c'est Victoria Beckham et ça lui va plutôt super bien. Oui, on n'a pas pris Georgette Lemaire, on ne sait pas pourquoi. Évidemment, comme par hasard, c'est Victoria Beckham. Non, mais très bien. Après, si vous avez le visage allongé, donc long et plutôt fin, avec un ovale très prononcé. Comme donc, Karine, là... que l'on salue. C'est Karine, ta collègue. Voilà. Oui, non, mais Virginie est en pleine cure de désintoxication. Donc des l'idée est de raccourcir la longueur du visage avec les lunettes très fines, comme on voit sur la photo avec Naomi Campbell. Non, mais là, alors t'as pris au hasard modèles, que, hein. T'as pris... Les formes du visage allongées, Naomi Campbell, tu peux pas dire qu'elle a pas allongé. Ouais, mais comme elles sont toutes hyper bien et tout ça, tu te dis, ah ouais, voilà. Et puis toi, t'achètes les lunettes parce que t'as cette forme de visage, tu les mets et puis tu ressembles à un sac, quoi. Normalement, elles te vont mieux puisque c'est fait à ta forme. Avec les formes rondes ou œil de chat, comme on voit sur la photo de Naomi Campbell actuellement. Donc, ça va très bien pour ce style-là aussi, sans s'appeler Naomi Campbell forcément. Voilà. Et enfin, on passe au visage plutôt ovale. Donc là, ben, on peut dire que c'est des personnes vénardes, puisque tous les styles leur vont bien. Mais non. Si. Mais voilà. Tout ça. Autant audacieuses que les formes géométriques ou bohèmes pour avoir un... avec des lunettes rondes, des choses comme ça, tout leur va super bien. Donc pareil, en photo, vous voyez différentes lunettes, c'est très bien. Et enfin, si dans votre choix, vous hésitez
Encore, après tout ça, il y a un seul modèle vraiment indémodable et qui va forcément à toutes les têtes, c'est les lunettes modèle aviateur mixte. C'est homme-femme. Et c'est selon surtout selon les tiges et la monture qu'on va voir plus le côté féminin ou masculin. T'es sûr qu'elle va à toutes les têtes ? Si ? T'es sûr ? Non, mais après, c'est peut-être pas ta taille. Ah oui, parce qu'il y a les tailles aussi. Eh ben oui, elles sont peut-être pas assez larges ou des choses comme ça. Bon, non, écoutez, en vrai, oui. Dites sur la page Facebook ce que vous en pensez, mais soyez quand même indulgents. Non, mais c'est vrai, mon vrai. Non, mais c'est vrai. Ça va à tout, ça. Donc, après, on a parlé forme et taille. Il y a aussi couleur, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Voilà. Après, ça, c'est la fantasy. Vous vous amusez comme vous voulez. Eh bien, merci, Virginie. On sait désormais quel type de lunettes et quelle forme adapter à notre morphologie, à notre forme de visage, bien sûr, bien entendu. Alors, on parle lunettes, on parle visage, on parle Élodie. Donc, où en es-tu ? Je crois que tu as fini. J'ai fini, complètement. Alors, fais-nous voir. J'ai rajouté un petit bouton de décoration dessus, en fait, pour cacher les coutures de la pochette. De la pression, merci. Donc il y en a qui suivent. D'accord, oui, mais enfin globalement c'est une pochette. Et vous pouvez y mettre tout et n'importe quoi dedans. Moi j'ai mis une petite prochaine chronique. Ah oui, d'accord. Donc surprise, c'est un teasing. Vous voyez, j'ai perdu d'un bout. Non, mais on peut coudre quoi, c'est-à-dire. Oui, voilà, vous pouvez coudre les petites parties si vous devez mettre des choses très fines qu'il ne faut surtout pas perdre. Et si vous faites une pochette plus grosse aussi, genre oui, une pochette comme un pochette sac, quand même, pour sortir et ouais, de faire les coutures. Parce que là, je suis en train de perdre. C'est des hits de l'INSEE. C'est ça, donc c'est un petit peu dommage. On rappelle qu'il y a la fiche technique sur la page Facebook de l'émission, HP Hour. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait parler aussi du compte Twitter. J'ai eu un bug là, parce que j'étais sur Instagram aussi. Du compte Twitter, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Donc c'est HP Hour avec le O, c'est 1-0. Voilà, on passe tout de suite à la rubrique invitée, ça tombe bien, puisqu'elle est là. Ce sera juste après ce jingle, c'est parti. On reçoit donc Nathalie cette semaine. Nathalie, on l'a dit tout à l'heure en introduction, qui est tapissier décorateur. Alors, vous préférez tapissier décorateur ou tapissière décorateur? Les deux ne me gênent pas. Parfait. Donc, pour l'instant, on est bon. Alors, déjà, en quoi consiste ce métier? Je rénove, je restaure des vieux sièges, des chaises, des canapés. D'accord. Et je les retape, je leur donne une nouvelle vie. Une seconde vie. Une seconde vie. Et je confectionne également des rideaux et des coussins. D'accord. Et donc, alors, quelle est la démarche en fait que les gens font? C'est les gens qui viennent avec un projet ou c'est vous qui initiez quelque chose? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Les gens, en général, viennent dans mon atelier avec leur siège, plus ou moins en bon état. D'accord. Et je les aide à imaginer, enfin, en tout cas, alors, je les aide au choix de tissu, les couleurs, Le style Le style, exactement, oui. En fonction du style, du siège. Ou alors, on peut casser aussi le style et donner quelque chose de plus moderne. Oui, oui, c'est-à-dire qu'à partir d'un siège ancien, on peut faire quelque chose de tout à fait contemporain. Tout à fait. D'accord. Et alors, comment ça vient D'où ça vient? D'où vient cette idée? Concrètement après ça se passe? Et puis quelle formation il faut faire? Ou comment, quel alors, est votre parcours en fait? Mon parcours, je travaillais dans les ressources humaines. D'accord, donc rien à voir. Rien à voir. Et dans le cadre d'une reconversion, j'ai décidé donc de retourner à l'école et de passer mon CAP de tapissier d'ameublement, spécialisé en siège. Mais c'est une sensibilité que vous aviez déjà? C'est-à-dire que vous aviez comme ça... Oui, j'ai toujours été sensible à la décoration, voilà, au volume, aux couleurs. Et j'ai participé à différents ateliers de relooking de meubles et de tapisserie aussi. Ouais. C'est là que j'ai vraiment appris le goût pour la tapisserie. Et puis, comme j'ai décidé de changer de métier, retour à l'école pour passer ce diplôme, qui est un métier avec un réel savoir-faire. Métier qui évolue aussi, ouais, parce que j'ai la possibilité de travailler de manière traditionnelle avec le crin ou la mousse. D'accord. Et Donc on explique peut-être le crayon à la mousse, c'est ce qui va servir à rembourrer, j'imagine. Exactement, c'est l'intérieur de la garniture qui va être plus ou moins ferme. Après, le crayon, c'est quand même quelque chose qui est assez ferme. Oui, qui est ferme. Ouais. Le temps de travail est plus important
au niveau de la main d'œuvre en crin qu'en mousse. Et après, c'est vraiment un choix de confort. Et donc, vous proposez de rénover, de restaurer ces sièges. Est-ce que vous apprenez aussi la technique à des gens Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Là, je fais juste. Juste, c'est déjà pas mal. Oui, l'ange. C'est vous qui prenez la main. Oui, exactement. D'accord. Alors, on l'a pas dit, mais votre boutique s'appelle La Chaise à l'envers. Oui. Déjà, moi, j'aime beaucoup le nom. Ouais. Voilà, c'est sympa. Ouais. Ça donne envie. Et même, ça fait se poser la question de qu'est-ce que ça peut être. Voilà, donc le titre est sympa. Et donc, justement, d'où vient le nom de votre boutique et vous l'avez ouvert quand? Alors, La Chaise à l'envers, pourquoi? Parce que je suis constamment en train de retourner les sièges pour vérifier leur état. Dans un premier temps, et également pour refaire les garnitures. D'accord. Voilà. Et ça a ouvert quand? Alors, j'ai ouvert donc ma boutique, mon atelier, le 1er février. D'accord. Et donc, je suis située à Tarbes, en face du commissariat, au passage des Arts. D'accord. Avec comme voisin la maison Estella, qui est un encadreur d'art. Et bientôt, une sculptrice s'installe juste en face de moi. Donc, on est d'accord. Vraiment. Oui, donc c'est vraiment le point des artistes, voilà. Je crois qu'on peut le dire. Les filles, des questions qui vous brûlent les lèvres. Oui, j'ai une question. Donc, est-ce que c'est forcément des vieux meubles ou il y a vraiment de tout? Alors, je travaille sur tout style, différents styles. J'ai travaillé par exemple sur des fauteuils de style Empire. Des Louis-Philippe, Louis XV, mais c'est vrai qu'il y a différentes. Enfin, il y a un panel de sièges assez large. Assez large. Voilà, donc tout style. D'accord. Donc vous recevez les gens dans votre atelier, vous vous déplacez aussi à domicile? Je me déplace aussi à domicile pour vérifier et enfin faire des devis plus précis et vérifier l'état du siège ou du canapé par exemple. D'accord. Et est-ce que vous faites que avec les particuliers ou aussi avec des professionnels? Avec des professionnels. Des restaurants, des... Je fais aussi avec les professionnels. J'ai par exemple là refait des sièges, des chaises même, pour le jardin des Brouches à Bagnères. D'accord. Et également toutes les parois japonaises et les stores en rouleur du nouveau restaurant. D'accord, très bien. Je crois que vous vous proposez aussi à la vente aux particuliers tout ce qui est rembourrage et les tissus également. Tout à fait. Donc je propose à la vente différentes densités de mousse. Que je peux découper suivant... Oui, à la demande. Exactement. Ouais. Et également donc, les tissus d'ameublement pour faire la réalisation de sièges ou de rideaux. D'accord. Donc ça, c'est dans le cas où les gens, effectivement, possèdent la technique ou ont envie de le faire eux-mêmes chez eux. Ouais. D'accord. Alors, je crois que vous avez une page Facebook ou un site internet où on peut vous joindre si les gens qui nous regardent sont intéressés. Vous pouvez nous la donner, on va l'inscrire en même temps. Alors, ma page Facebook, donc, c'est La Chaise à l'envers. Et puis le site internet tout attaché lachaisealenvers.com. Très bien, ça s'inscrit actuellement sur votre écran. Alors écoutez, comme ça je ne vous connais pas encore bien, mais je sens que vous aimez bien manger. Oui. Voilà, ça tombe très bien puisque nous allons présenter Véro qui va nous préparer une recette, la recette de la semaine. Donc des recettes alternatives avec des produits frais et bons pour la santé. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec Véro, c'est parti. Salut Véro. Bonjour. Alors nous avons faim. Hein. Oui. Véro, voilà, non, on va pas tout faire le bisou, les gars. Parce que moi j'ai faim. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je propose un petit pudding avec des graines de chia, toujours. Voilà. Oui, on en avait parlé dans une précédente émission. Exactement. Donc je reviens avec mes petites graines. On peut rappeler ce que c'est, Véro, oui. Et les bienfaits? Alors les bienfaits, c'est des graines qui sont très bonnes pour le transit. Elles ont du magnèse, elles ont du phosphore, des vitamines, etc. D'accord. Voilà. Donc, c'est très bon aussi. J'avais fait le mois dernier. On avait fait un smoothie. Brûle-graisse. L'avantage des graines chia, c'est qu'on n'est pas obligé de faire quelque chose de cuire. Donc, on peut faire des desserts à froid. Voilà, si vous êtes au milieu d'un chat et que vous n'avez pas envie de faire un dessert. Et aussi. Que vous avez toujours graines de chia sur vous, parce que voilà. Un petit peu. Des vaches, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui je remets ceci. Mais moi je suis toujours avec les végétaux. Donc on va faire un petit pudding à base de lait de riz coco. Voilà. C'est dommage, il n'y a pas clair. Oui, c'est vrai. On salue Claire d'ailleurs. Tu choisis du lait de coco, il y a une raison particulière? Non, ou on peut prendre du lait d'amande? On peut prendre du lait d'amande, du lait d'avoine. L'avoine, non, pas en allant vers les beaux jours parce que l'avoine réchauffe. Ouais. Donc on part plutôt sur le lait d'amande. D'accord. Il est plus rafraîchissant, okay, pour l'organisme. Voilà. Et
Donc je vais quand même regarder mon petit papier pour les doses parce que voilà, donc pour à peu près 300 ml de liquide, donc de lait végétal. Tu fais comme Virginie est un contaminé, tu dis donc. Et on prend à peu près 30 g de graines de chia. Voilà. La dose des graines de chia, je me répète, c'est 2 cuillères par jour. Pas plus. Avec 2 litres d'eau. On est voilà. Moins à l'aise, t'as vu ? C'est bien ça. Hein ouais. Voilà. Donc, 30 grammes, on va dire, ça va faire à peu près 3 cuillères. Voilà. Je mets des petites cuillères. Là. Voilà. Je vais le remuer. Et on peut rajouter, si allez, on veut, un peu de sirop d'agave. N'est-ce pas? Oui. Donc on rappelle, le sirop d'agave, c'est une manière alternative de sucrer, c'est un haut pouvoir sucrant. Voilà. Et c'est vachement bien pour les diabétiques. Très bien. Parfait. Donc, voilà, la graine de chia, comme ça, vous la mélangez. Bon, il faut bien la doser et vous la laissez reposer, on va dire, normalement une nuit au frigo. Oui, parce que tu avais expliqué que ça boit... Ça fait une gelée. Voilà quand la graine de chia prend le liquide, ça devient, c'est un gélifiant, pratiquement à froid. Contrairement à l'agar-agar, qui est un gélifiant à chaud. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage de faire... Après, vous laissez faire votre imagination. Vous avez une base de crème. Vous pouvez rajouter de la vanille, tout ce que vous voulez. Et vous savez que vous avez... Vous pouvez faire comme un tapioca, mais à froid. Si vous n'avez pas de point chaud, voilà. Pour accompagner donc mon petit dessert, j'ai pris un petit pamplemousse parce qu'il y a un petit peu d'amertume. Voilà, puis ça change un petit peu des oranges, des citrons, etc. Et puis, donc, j'ai pressé un petit jus de pamplemousse. Voilà. Après, vous avez tous les dosages oui, qu'on mettra sur la page voilà. Facebook, comme d'habitude. Donc, l'équivalent d'un jus de pamplemousse. Donc là, il y a le jus d'un seul pamplemousse. Un pamplemousse et demi, on va dire. Voilà, ça me semble. Là, je fais la démonstration. Voilà, okay. Autrement, dans ma recette, on prend au moins 3 pamplemousses. Après, tout dépend des contenants. Oui. Aussi, hein. Voilà, si on fait des gros, des petits, etc. Là, c'est pour 2 verres comme ça, à peu près Oui, à peu près. D'accord. Même 3, on va dire. D'accord, ouais, donc 2-3 voilà. Personnes. 2-3 personnes, voilà. Donc, voilà. On revient sur le principe du gélifiant. L'agar-agar, ça reste une protéine à base d'algues aussi. Un gélifiant à base d'algues très protéiné. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Donc l'agar-agar se dilue dans un liquide chaud. Donc par contre, je dis bien liquide chaud. On porte à ébullition donc le jus de pamplemousse et on va diluer, voilà, on va dire une cuillère d'agar-agar, une cuillère à café pour l'équivalent de 2 ml de liquide. Bon là, je n'ai pas le 2 ml, donc je vais mettre un quart. Vous pouvez toujours suivre. Ouais. Là. Voilà. Très bien, merci. Et je vais le diluer. Et quand le jus de pamplemousse va arriver à température, donc à ébullition. Donc dans 3 heures à peu près. Voilà. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais verser l'agar-agar, pas encore. Non, voilà. On va attendre 3 minutes et après, on pourra déposer. Alors une fois que les graines de chia seront gelées, elles aussi auront été gélifiées, merci. Donc on pourra travailler l'agar-agar dessus, il va se geler à son tour. Donc c'est quand même un dessert, les graines de chia à préparer la veille et le gélifiant à la limite le lendemain avec l'agar-agar qu'on dépose dessus. D'accord. D'accord. Et votre dessert sera prêt. Tu vois ? Voilà, c'est tout simple, hein. On va attendre 3 minutes et je vais faire goûter le dessert terminé. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne, Véro, après 24 heures. Ouais. Avec effectivement le pamplemousse qu'on a sur le dessus. Voilà. Et les graines de chia dessus, voilà, qui ressemblent effectivement à un tapioca. Voilà, avec la petite gelée de pamplemousse. Alors, ou vous le faites en petit dessert classique, ou alors, si vous voulez jouer un petit peu, vous pouvez faire un petit peu sur des petites verrines. Ah ouais, voilà, pour des desserts gourmands ou les cafés gourmands, etc. Bon, je vais me sacrifier. Alors, ah mais t'as pris la grande cuillère quand même. Oui. Ah ouais. Alors,
on garde, c'est pas très sucré. Non, je mais c'est. Je reste toujours sur ce principe maintenant, moins de sucre, moins de sel. Non, mais alors ce qui est intéressant, c'est la différence de goût entre le dessus, effectivement, où on sent bien la grume, et le dessous qui est plus doux et moins sucré. Ah ouais, c'est sympa, c'est très sympa. Ouais. Voilà, c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter. Oui, je sais, vous êtes très malheureux, nous aussi. Mais nous, on a mangé. On se retrouvera la semaine prochaine. Je vous dirai avec quel programme dans quelques instants. Mais vous retrouvez avant Véro, dès le 11 juin, donc là, dans 5 jours, ce n'est rien, là, pour justement une thématique sur l'agar-agar. Donc, on en a parlé avec toi, Véro, il y a quelques instants. Ce sera à la Garounère le samedi 11 juin. Notez-vous-le. Et puis, nous le mettons sur notre page Facebook, vous le savez, comme d'habitude. Vous avez des amis. Vous avez de la chance parce que nous, on a du mal. Vous pouvez leur offrir un petit chèque cadeau de pommes cuisine offert par Véro. Enfin, quand je dis offert, voilà. Il faut la contacter au 06 72 37 42 66. On vous met les coordonnées sur la page Facebook. C'est une très bonne idée cadeau à offrir aux gens qui vous sont proches. Donc la semaine prochaine, nous serons le 13 juin. Voilà. C'est un bonheur. Et nous recevrons donc François Alquier, auteur du livre Aujourd'hui, l'avenir. On en discutera avec lui. Ce sera la semaine prochaine. J'ai donc envie de vous dire bon appétit. Merci beaucoup d'être venu et à lundi prochain. Ciao. Et vous l'aurez remarqué, nous avons une invitée, un visage que vous ne connaissez pas encore. Il s'agit de... J'ai dit que non. Tout le monde l'a vu, personne n'a rien dit, mais voilà. Cette partie sera coupée pour aller plus vite. Non, mais oui, bien sûr, oui. Comment tu fais, vu que t'as fait des repères, tu peux te couper. T'as plus les repères quand t'as... C'est vrai, parce que je suis un peu con, parce que j'ai oublié de dessiner les trucs. Donc, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Donc, où vous préférez donc accentuer sur les lignes. T'as dit trois fois donc en quatre mots. J'y fais pas donc attention. Si vous préférez donc prendre une forme ronde donc ou une forme carrée, donc vous prenez les vertes. Sympa. Et du coup, comment ça vous est venu ce nom? Et vous avez oh là là, ça c'est moi. J'ai l'impression d'être au collège avec ma jupe en jean et sur mon jean. Ah mais t'as le jean aussi. Oh, bah oui, j'étais pas épilée. Il y a que toi qui te fais avoir. Des trucs devant la caméra. Je sais, mais parce que c'est pas très grave, ça. C'est pas comme tout à l'heure quand Steve a dit qu'il pétait sans cesse, que j'étais pas épilée. Ah. Je suis en mode hiver encore. C'est pas encore l'été, je suis pas encore en vacances, donc je suis pas épilée, hein, je vais pas à la piscine.